Hey yo tout le monde, on se retrouve sur Pokémon Emerald pour l'épisode. Je sais pas, je sais pas du tout. Attends, c'est l'épisode. L'épisode 4, je crois. C'est l'épisode 4. Je sais pas du tout, mais écoutez, on va directement commencer ce let's play. Attendez, donnez-moi juste quelques secondes que je regarde c'est quel épisode, parce que sinon, je vais être perdu par rapport. Let's play, oui, je sais, je fais des vidéos, mais je regarde pas, je sais même pas que ça suffit. Alors, c'est l'épisode 4, oui, c'est bien ça. Très bien, donc j'avais raison. Ok, donc, bah écoutez, yo, on se retrouve sur l'épisode 4. J'espère que vous allez bien, écoutez, moi, je pète la forme. Je crois que. On devait défoncer l'arène. Parce qu'on n'a pas l'attaque flash. Du coup, cela me vénère un peu. Parce qu'on peut pas aller dans la grotte tant qu'on n'a pas l'attaque flash. Donc on a, on a Tarsa, on a capturé un Magikarp la dernière fois. Ok, on a aussi un Abra avec l'attaque flash. Mais pour pouvoir utiliser flash, on est obligé de défoncer l'arène. Très bien. Donc écoutez, c'est parti. On va pas perdre beaucoup de temps. On va déjà défoncer tous les dresseurs. Bon, on va déjà défoncer tous les dresseurs. Alors, je crois que notre Abra a appris une attaque psy. Ok, très bien. Non. Ok, donc on va mettre Tarsal. Ah, elle t'a fait bugger, hein. Elle est trop belle, c'est normal. Ah, mais en fait, c'est. Attends, c'est un arène de type combat ou type. Parce que je crois bien, c'est un type combat. Pourquoi il avait choc mental, le Pokémon? Je sais pas. Demandez pas à moi. Attendez. Oh, très bien. Ok, Machoke. Ok, on va prendre Tarsal aussi. Pour écoutez, pour faire beaucoup de dégâts. Ah, oh, c'est cool, je te jure. Je regrette pas d'avoir gardé Tarsal. Enfin, surtout d'avoir galéré pour le capturer, surtout, ouais. On devrait dire ça. Ok, il y a deux dresseurs. Très bien. Ok, donc Magikarp, tu vas te faire défoncer. Graenna, mais bah, voilà. Ça m'étonne même pas, putain. Quoi? Ah, mais c'est abusé, les gars. Tom Rush. Ok, ça a rien fait du tout. Cassé. Pic-pic. Ok, on va enlever puissance parce que ça m'énerve. Ouais. On a un Galifeu. Double pied. Donc on va lui enlever celui-là, on va le garder. On va enlever griffe. Très bien. Donc vu qu'on a perdu la moitié de nos Pokémon, je vous invite. Qu'on retourne aller soigner les Pokémon et qu'on revienne après. Qu'on revienne. Alors, très bien. On a fait déjà ce qu'il fallait. On a défoncé lui. On a été là-bas. Donc, on va défoncer elle là. Et tu veux défoncer mon Magikarp? Eh, tu vas voir! Voilà! Qu'est-ce que tu vas faire? Reste fidèle à tes Pokémon. Nanana, ok. Écoute, c'est mon Magikarp qui est fidèle à moi. Attends, mais lui, je l'ai pas défoncé. Lui. Ah, excuse-moi, je suis obligé de défoncer tout le monde. Hop là! Hop là! Bonne claque là. Très bien. Je crois qu'on a défoncé tout le monde. Allez, on va se faire un petit kiff, voilà. Une petite cuve de. Allez, un kiff de soigner. Hop. Maintenant, on va retourner là-bas. On va pas utiliser Poussifeu. Enfin, Galifeu. Hein? Bah oui, parce qu'il a évolué. Très bien. Donc, on va te casser la gueule. Je suis Bastien, le champion d'arène de Myakkara. J'ai ressuscité. Hein? J'ai ressuscité. Aux vagues déchaînées de la région et je suis
endurci. Enfin, hein, quoi? Je me suis endurci dans les cavernes obscures. Alors viens. Alors comme ça, tu viens me défier. Voyons donc de quoi tu es capable. Je suis un dieu de Pokémon. Ah, ok, en fait, t'es un gamin. T'es un gamin, mon gars. Mais t'es un gamin. Ok, très bien. Il nous a balancé un Machoke. Ok, ça fait très mal. Ok, on l'a deviné fou. Ok, on l'a tué. Très bien. Alors, on va changer. On va prendre Magikarp. Par contre, on n'a pas de Pokémon de type vol. Hein. Je dis ça, mais après, je dis rien. Oula. Ah là là. Il fallait s'y attendre. Hein. Bon, ok. Je voulais pas sortir Galifeu, mais. Ah, excusez-moi, hein, c'est votre faute. C'est votre faute, faute, faute. Vous avez tué mon Tarsal? Bah, fallait pas. Hein. Ma petite Tarsal, elle avait rien demandé. Ok, très bien, tu fais le malin. Tu fais le BG. Ok, t'as gagné. Oh merde. Attendez, les gars. C'est son poussé. On est foutu. Ouais, on est foutu, on est foutu. Je suis désolé, mais on est foutu. Je suis désolé, les gars. Voilà, on est mort. Il de dead. Bah voilà, tout le monde va crever maintenant là. C'est pas possible ça. L'autre il va faire quoi avec son téton? Voilà. Même pas la honte. Ok, très bien. On va changer de tactique. Donc le premier qui va rentrer en scène, ça va être Tarsal. Ne demandez pas pourquoi, ça va être Tarsal. Somashok. Hop, on va le défoncer. Quoi? Arrête avec ton attaque pourrie là. Putain. Galifet, je t'emmerde. Ah. Ouh. Par contre, level 19, mon gars. On est vraiment en retard, hein, les gars. Je vous jure qu'on est en retard. Ok, très bien, maintenant. Ok, très bien, vas-y, c'est quoi, je t'emmerde. Avec ton attaque de gonflette de merde, là. Par contre, on est vraiment en retard niveau level, hein, les gars. J'imagine même pas, je suis sûr que... Parce qu'il y a une espèce d'arène d'électrique. Oh, je sais que ça va être défoncé. On va se faire défoncer, les gars. Mais ne me demandez même pas pourquoi. Parce que vu comment j'entraîne mes Pokémon, en plus j'en ai plusieurs à bras. Oh, c'est pas comme dans Pokémon de Rouge-Feu. Genre, par exemple, comme par hasard, vous avez trouvé un petit truc là. Comment qu'il s'appelle? Non, toi, je t'aime pas. Ok, a priori, on peut utiliser Flash. Allez, à bras. Et toi, mon gars. Très bien. Pour ce Pokémon, j'adore son dernier évolution. Il est cool. Très bien, ouais. Ok, on a un nouveau dans la famille. Du coup, on n'a même pas de repousse. En plus, Magikarp ne peut pas apprendre des attaques plus, des attaques de haut. Parce que c'est une merde. Ok. Vous savez quoi? Bah non, en fait, on va le laisser devant. Ténéfix, on s'en fout. Pierre Star. Ah ok, en gros ce pierre sert à empêcher les Pokémon d'évoluer. Comment je sais? 10 ans de travail. Par contre, je vous jure, attendez. On va faire un truc. On va mettre Tarsal devant. Et chaque Pokémon qui vient me défier, bah en fait, je me bats avec. Ne demandez pas pourquoi, ça va me permettre d'avoir au moins pas mal d'expérience pour Tarsal. Voilà. Le Feralti, t'inquiète pas, bah, moi je te défonce. Voilà, comme
sans mon tarsa, il sera level 10. Je suis Pierre. Je m'intéresse aux pierres rares, alors je vais ici et là. Hop, c'est une lettre pour moi. Il se remet de la lettre. Ok, merci. Tu as fait tout ça rien que pour me la remettre. Il faut que je te remercie. Laisse-moi voir, je vais te donner cette. Elle contient ma capacité préférée, aile d'acier. J'ai pas de Pokémon de type vol, donc. Maintenant, il faut que je me dépêche. Ok, dépêche-toi. Dépêche-toi. Je te défonce, mon gars. Non! Attendez, on va juste faire passer Tarsal level 16 ici. Yes. Par contre, dans la grotte, ça XP super bien. On va directement à Clémentville ou à... Ok, très bien. Oh, avec ton zigzaton là. Oh là là. Il fait mal. Hein. Très bien. Attendez. N'oublions pas qu'on a Magikarp aussi à entraîner. Ok, merci, ça fait très plaisir, espèce de gaulliste de je sais pas quoi là. Ok, Machoke. Très bien, donc on va mettre... Allez, on va mettre lui. Hop. Hop. Oh purée. Oh purée. Ah, il s'est fait défoncer! Ok, en fait, j'ai cliqué sans faire exprès, désolé. Ok, on va mettre... Allez, oh là là! Ok. Donc, on va faire Tom Rush. Un bon petit pic-pic. Pic-pic. Très bien. Je sais pas ce qu'elle m'a donné, la petite autre, là, mais... Attendez, je vais les soigner, déjà. Bip bip, c'est Roxana, ici Roxana, je me sens que je progresse très rapidement. En tant que dresseur, très bien, bon, je ferai mieux d'oublier, tu m'as... Mais je te promets d'améliorer mon arène pour que tu puisses nous affronter à nouveau. J'espère te revoir très bientôt. Très bien. Ok. Mais d'où il a trouvé mon truc, lui? C'est une fan. Par contre, il me faut des potions. Mais en vrai, dans ce jeu, je te jure, mais on est pauvre, mais à un point. Je vous dis même pas. T'es mal, je suis déjà pauvre. Regarde, voilà, je suis ruiné. Voilà. J'ai acheté 6 potions, je suis fou, je suis ruiné. Alors qu'à la base, je suis riche, quoi. Enfin, sa mère était riche. Allez, mon gars, Tarsial! T'as chial. Le machin il chiale tous les jours, tu sais. Alors, hop, Magikarp. Tentacool. Tentacool. Il tente et cool. Lol. Alors, oh papa, les gars. Il y a un souci là. On n'a pas un petit antidote? Non, comme par hasard. C'est pas possible ça. Oh là là, attendez 2 secondes.
Alors, très bien, on en était où? On en était où? On en était là. Donc, faut retourner à la plage pour aller défoncer des dresseurs. Ils sont chiants, hein, ces dresseurs. Ok, papy, qu'est-ce que tu cherches? Par ici, l'eau est très propre. Mais j'ai déjà vu mon zigzaton venir du rivage avec des tripouilles. L'eau pollue se transforme en pluie et réduit nos rivières en bois d'eau. Si on pollue la mer, ça finira par nous retomber dessus. Ah, ouais, t'as raison, mon papé. D'habitude, je suis meilleur que ça. Ok, maladroit. Ok, marin pourri. Très bien. Qu'est-ce que tu vas me donner? Rien? Radin. Tu veux te battre? Non? Tu veux te battre? Ok, très bien. Je crois que là-dedans, on peut acheter des trucs. Mais on peut faire des duels aussi. Ouais, très bien. Oh, une top dresseuse. Oh, comment qu'elle se la pète, mon gars. T'es ma. Hop là! Hop là! Hop là, top dresseuse. Ben, elle a disparu, mon gars. Oh, il y a un marin. J'adore parce qu'il se la pète tellement, ces gars-là. Allez, on va envoyer Tarzan. Hop, il va nous devoir lancer une espèce d'ultrason, là. Oh! Machoke. Oh, lourd. Le dernier, on va se faire plaisir, on va envoyer Magikarp. Tanto cool. Tiancha cool, on va envoyer Galifrey. Tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous. Voilà. Ce que tu veux, je m'en fous. Voilà, tu peux pas, c'est impossible. Très bien. Hop, on va défoncer la petite là. Enfin, le petit. Hop, on va envoyer qui? On va envoyer Tarsal, non. On va envoyer Tarsal. Ouh, voilà. Moi, je t'aime pas, moi, allez. Je suis le pollue, le... Hop, je t'aime pas, moi. Je t'aime pas, je t'ai dit. Hop là! Avec vos attaques pourries, là. Très bien. Donc, on a nettoyé la plage. Que ce soit en dehors ou à l'extérieur. Très bien. Donc, je crois qu'il faut aller à ce marché. Par contre, je sais pas si ils donnent des choses ou pas. Très bien. Attends, hein? What? What the fuck? Ça coûte cher votre truc là, monsieur. Ok. Et toi, arrête de pousser. Tu vois pas que c'est la file d'attente? Ah, parce que vous allez faire quoi, Zarma? Vous allez pas en train de, vous êtes pas en train de voler le machin. Je voulais accompagner le cap poupée. Nanana, explorer les fonds de marin. Embarquer. Je vous demande pardon, vous cherchez un bateau. Désolé, vous devez pas embarquer sur le. Ok, bah, je cherche pas un bateau, au contraire, je cherche le président de je sais pas quoi. Mais vu qu'il y a la Team Rocket là-bas. Attends, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Je suis le président du fan club Pokémon. En tant que président, je suis bien sûr la personne la plus importante. Personne qui ne sait mieux que moi comment dresser un Pokémon. Personne. Mais laisse-moi te parler des concours Pokémon. En vrai, je m'en fous. Mais je m'en fous. Mais à un point, mon gars. Ok, très bien. Il fallait venir ici. Et parler avec ce vieux. Si ceci va ici, nanana, cela va là. Ok, très bien. Nanana. Le peuple était sorti. Il a dit qu'il avait du travail. Pourrais-tu aller trouver le peuple? Il est... Attends, et le lui remettre? Ouais, mais le pop, il est où là? T'as pas un Pokéball ici, s'il te plaît? Non? Bande de radins. Bande de radinettes. Radinettes, ça va. Très bien. Nanana, le bateau, manana. Ok, très bien. Ah, il faut parler avec tout le monde. C'est étrange qu'un bateau fait d'acier puisse flotter, non? S'il flotte, c'est déjà ce qu'on appelle un principe de flottabilité. Ok, très bien, mon gars, c'était. La poubelle. Ok. En fait, c'est des radins. Ils veulent même pas jeter des. Le pauvre, il est enfermé dedans. Ok. La mer est tellement vaste, tu peux faire de larmes. Très bien. Il est là-bas, le pauvre. Allez. Attends, on va déjà rentrer dans la maison. J'aime bien parler. Mon Pokémon est précis. C'est sa nature. Sa vitesse est le plus élevée que celle de
mes autres Pokémon. La nature des Pokémon a peut-être un rapport avec leur stat. Bah oui. Tu es un dresseur, n'est-ce pas? Tu dois vouloir te rendre à la tente de combat de Prévoirs. Non, non. Je m'en fous. Ah oui, t'as cru quoi? La lumière du phare se voit à des kilomètres à la ronde. Je me demande si ça n'effraie pas les Pokémon dans la mer. Bah non, parce qu'ils sont tellement. En fait, ils sont tellement au fond de l'eau qu'ils s'en foutent. Qu'il y a de la lumière ou pas, ils. Non, ils sont. Ils veulent rien savoir. Voilà, très bien. C'était là que, en gros, il fallait juste aller parler avec le gros con là-bas. Et lui, après, il donne l'accès dans le truc, dans le musée. Très bien, on a payé. Ouh, hey, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis le membre de la team Aqua que tu as déjà affronté. Tu t'en souviens? C'était dans le tunnel Morazan. Morazian, je sais rien. Tiens, prends ça et pardonne-moi. Ok, en fait, il y a des membres de la Team Rocket super sympa, mon gars. C'était te sera utile qu'à moi. J'espère de jamais te revoir. Ok, très bien. En fait, il y a des membres de la Team Aqua super sympa. Ok, lui il va me défoncer. Non, ok, très bien. Alors, il est là la personne que je cherche. Oui, si tu cherches Poppy, c'est bien moi. Ça doit être ce que j'avais commandé. Voilà. Merci, formidable. Nous avons désormais pouvoir préparer l'expédition. Les gars, vous êtes des lâches, quoi. Hé, pas si vite. On va prendre ces pièces. Quoi? Qui êtes-vous, jeunes gens? On est la team à quoi? Notre chef veut ces pièces. Ferme-la et balance-les. Bam 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 bam. Ok, c'est un Pokémon de type poisson, mais en même temps, il a du mal avec les attaques de type combat. Donc, on va lui mettre. Oh là! Ah, c'était une gifle là. Il a ramassé une de ses gifles, mon gars. Très bien. Ok, c'est un Pokémon de type vol, donc il aime pas les attaques de type psy. Voilà! Voilà. Vous voulez vous changer de Pokémon? Ouais, on va envoyer Magikarp. Très bien. Bah écoute, on va envoyer Galifeu. Et Galifeu va te faire ta fête. Très bien. Maintenant, si on ne récupère pas les pièces, on est fait. J'avais pas prévu d'être gêné par un moufle qui se mêle de tout. Bah tiens, il y a le bouffon qui. Je venais voir pourquoi vous mettiez tant de temps à récupérer les pièces. Je constate que vous êtes retenu par un simple mioche. Nous sommes la team Aqua et nous adorons la mer. Moi, je suis Arthur, le leader de la team Aqua. Dis-moi, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Attends un peu. Apprendrais-tu à la team Magma? Non? N'est-ce pas possible que tu portes pas leur uniforme? Les Pokémon, les gens, toute la vie dépend de la mer. C'est pourquoi le but de premier de la Team Aqua est d'expansion de la mer. Ok, j'ai pas compris. Nous défendons une noble cause, tu ne crois pas? Ah oui, tu es trop jeune pour comprendre. Ça ne facilite pas les choses. Que tu ne comprennes pas nos idéaux. Mais je te préviens, ne t'avise pas à te mêler encore de nos histoires. Les conséquences seraient terribles. N'oublie pas ce conseil. Tu es hit. En tout cas, que de tension. Merci de nous avoir sauvés. Ah oui, j'avais presque oublié que tu avais apporté les pièces de Nova. Ok, très bien. Bon bah, ok, très bien. Bon bah les amis, en tout cas, j'espère que ce petit let's play épisode 4 vous aurait plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de partager cette vidéo. Peut-être que ça peut aider pour ceux qui viennent juste de débuter sur Pokémon. Et sur ce, moi je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Peace les amis, ciao!